C'est un cri de ralliement qui animait la foi de notre défunt roi, ça veut dire la foi en une cause juste, jusqu'à la mort s'il le fallait. Je reviendrai devant vous tout à l'heure parce qu'on me dit que ce n'est pas encore tout à fait le moment de vous dire le petit mot que j'ai préparé, mais il s'agit simplement de présenter l'association Kodat et Teko. Je m'appelle Douala Ndjor-Mangabe. Hier, c'était mon anniversaire. Je suis né le 7 août. Et de façon immanquable, mon père m'a tout naturellement appelé Douala. Le nom de son frère aîné, Rudolf Douala. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette famille qui organise ce rassemblement. C'est une association qu'on appelle donc Kodat et Teko. Nous sommes ici un certain nombre. J'aimerais vous appeler, mes frères, mes sœurs. Venez par ici afin que nos frères et sœurs puissent vous voir. Parce que vous avez travaillé. Vous avez eu le courage. Vous avez eu la foi au milieu d'embûches, au milieu de difficultés, afin que cette commémoration puisse avoir lieu. Ce centenaire, nous ne pouvions pas passer à côté de ce centenaire. Donc ici, le monsieur qui est en train de filmer en fait partie. Vous avez donc les responsables de cette association Kodat et Teko, au sein duquel il y a des hommes et des femmes dévoués, des hommes et des femmes qui ont cette fibre patriotique comme Rudolf Douala Mangabe que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui. Oui, je le répète, il y a eu beaucoup d'écueils, beaucoup de difficultés, mais nous y sommes arrivés. Et nous voulons vous remercier d'avoir répondu aussi massivement, malgré le mauvais temps et malgré le fait que nous sommes un vendredi en fin de journée. Beaucoup ont probablement travaillé. Alors, je vais les nommer parce qu'il est normal de les nommer. S'ils n'y voient pas d'inconvénients, j'y apprends, je sais. On va appeler chacun par son nom, prénom. Ce monsieur ici, Monsieur Epeye Mandengue, Ibuna Mandengue, lève la main. À côté de lui, Madame Poeti Eyale, lève la main, la voici. Le bonnet Kambi, bonnet Kambi Bonassa. À mes côtés tout de suite, à ma droite, Monsieur Michel Kiponge Sabe. Le Bonassama également, Bonabedi, Bonangongi Bonabedi. Au-dessus de lui, le jeune frère, Monsieur Ngeyamouen Daniel, Bonabedi, Bonabedi, diront certains. Par ici, mademoiselle, l'OSOL, Cécile. Voici Madame Colette Djeba. On a tenu l'aide. Mon ami d'enfance. Voici Dora Coco. On a donné l'aide.
Voici ma propre sœur, Madame Hermine Titi, prisonnée de Jean Gabin. Merci, Hermine. Frédéric, Philippe, Monique.